Tu es amoureux de la princesse. Je sais que tu vas à sa recherche pour l'épouser. Tu as déjà surmonté beaucoup d'obstacles. Tu as remporté de grandes victoires. Mais le plus difficile reste à faire. Si tu prends le dessus sur ton ennemi principal, la princesse sera à toi. Sinon, prends-t'en à toi-même. Pour ce que tu désires, il faut être prêt à faire beaucoup plus que tu n'as encore fait. Je ne veux pas te faire peur. Je veux seulement te prévenir des difficultés qui t'attendent. Eh bien, il y aura un bon dîner ce soir. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de chair humaine. Grommela la vieille femme. Ivan comprit que son heure était venue. Et pendant que Baba Yaga allait chercher la poêle, Ivan déchira les vieux chiffons qui le retenaient prisonnier. Quand elle revint, une poêle à la main, Ivan saisit la vieille femme, l'assomma avec la poêle et se sauva à toutes jambes de la cabane. Baba Yaga revint rapidement à elle et la cabane se mit à poursuivre Ivan. Ivan courut encore plus vite, mais la cabane gagnait du terrain. Ils couraient et sautaient tous deux par-dessus les nombreux arbres quand enfin la forêt devint suffisamment épaisse pour décourager Baba Yaga. Ivan continua à courir et sema définitivement la maudite sorcière. Ivan connaissait bien la réputation de ces Vadianoï. « Tous ceux qui t'ont suivi ne sont jamais revenus. Va-t'en d'ici !» s'exclama Ivan. « Comme tu voudras, mais méfie-toi de cette sorcière. Elle te mènera à ta perte. » ricana l'homme-poisson avant de disparaître dans la rivière. Mais tout à coup, il vit celle qui le fit accomplir ce si long chemin. Une beauté inouïe se tenait devant lui. Ses yeux ressemblaient à de grands lacs purs et elle portait une couronne d'or sur sa tête, planant entre terre et ciel. Bonjour, Ivan. Enfin, nous nous revoyons. Ivan pleura de joie.